Bonjour, ceci est une rediffusion de live Twitch. Si vous voulez suivre l'aventure de The House in Fata Morgana en live, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, twitch.tv/alexitgf, et sur Twitter, twitter.com/alexitgf, pour suivre mes aventures en live. On se retrouve là-bas. Me revoici. Et nous continuons l'aventure sur The House in Fata Morgana. Comme je dis, c'était ce qui est intéressant là, c'est quand même cette première partie est assez intéressante parce qu'on voit un peu le malaise de Michel qui en fait ne sent pas en fait dans son corps normal hein, en soi. Et là, du coup, on est un petit peu après, on va dire un petit moment un peu compliqué avec la femme de Georges qui est en fait une femme de pas vraiment qui est pas vraiment en fait la femme amoureuse de Georges, mais plutôt une façon un peu différente de, enfin elle est aussi avec avec Didier l'autre frère de Georges, enfin c'est compliqué. Et Michel là du coup a plus la même voix. Et que s'est-il passé réellement? Bah justement c'est la question qui va être intéressante à voir. Ah je comprends Magakun hein. Je viens de voir ton message. C'est vrai que Easterny après un mois, c'est vrai que c'est compliqué. Je peux comprendre. Ma voix ne revint jamais à la normale. Alors mère m'ordonna de rester dans ma chambre. Je n'avais pas encore récupéré. Bah AI2. AI2, j'ai du mal avec AI2, mais j'expliquerai un jour pourquoi AI2, pour moi, est peut-être le deuxième ou le troisième pire. Troisième pire probablement parce que j'ai mieux investigation 1 que 2. Personnellement, mais bon, c'est mon avis, je vous expliquerai un jour pourquoi. Je n'avais pas encore récupéré. Et tant que je serais malade, je ne pouvais sortir. À nouveau, quelque chose sonnait fou quand elle disait que c'était qu'une maladie, mais je n'avais aucune preuve du contraire. Je n'avais aucun moyen de savoir si je ne contaminerais pas les autres à leur contact, comme elle le prétendait, alors que je n'avais pas autre choix de faire ce qu'elle disait. Avec le temps, mère a aussi arrêté de me rendre visite, et les seules personnes que je voyais étaient les serviteurs. Ils faisaient leur travail, mais évitaient de me croiser mon regard. Personne d'autre ne m'a me voir. Ni Aimé, ni Didier, ni Georges. Un mois passa, puis deux, puis trois. À chaque certain moment, la douleur de mes articulations diminuait. À d'autres, elle empirait. Dès que je m'endormais, j'entendais le bruit de mes propres articulations en train de craquer. Je rêvais d'une femme qui marchait dans la cour. Ses doux cheveux noisettes flottant au vent alors qu'elle se retournait vers moi, arborant un beau sourire et un joli décolleté. Un jour, après environ 6 mois dans lesquels les serviteurs refusaient de me regarder, j'en arrêtai un et lui fis une demande. Je voulais qu'on m'apporte un miroir. Il fit comme s'il n'avait rien entendu, mais le lendemain, j'avais mon miroir. À ce moment-là, j'avais la quasi-certitude de savoir ce qui était arrivé à mon corps. Je n'avais aucun vêtement à me mettre. Parce qu'aucune des robes multicolores suspendues dans ma garde-robe ne m'allait plus. Je soulevais la lourde teinture rouge qui recouvrait le miroir. Puis, pu voir mon corps entièrement nu. Alors j'espère qu'il n'y a pas la... Non. Parce que j'avais peur qu'il y ait la... qu'il y ait du coup un visuel avec un nu. Ah. Un bruit qui ressemblait à un mélange entre ricanement et un soupir de pitié s'échappa de mes lèvres. Me voici. 6 mois. En l'espace de 6 mois seulement, j'avais changé au point de n'être plus reconnaissable. Je tendis la main vers le miroir et traçai le contour de ma silhouette osseuse. Mes épaules n'avaient pas les rondeurs de mer et ma peau l'éclat d'aimé. J'avais le visage pâle et hagard. Non, je ressemblais à mes frères. À l'évidence, comme j'étais plus jeune qu'eux et que je me bougeais moins, mes muscles n'étaient pas aussi développés, mais personne n'aurait tiqué à me voir tenir une épée en main. J'avais bien une tête de plus que 6 mois auparavant, et quelque chose me disait que je n'avais pas fini de grandir. En me contemplant dans le miroir, je traçais mon nom à la surface. Michel. Je n'ai plus besoin des deux dernières. Michel. Et donc là, clairement, là, on est parti du coup pour être Michel.
Ah, pour la première fois de ma vie, j'aimais mon nom. Je ne pensais toujours pas que le nom d'un ange me convienne pour le moins du monde. Mais c'était renversant de voir à quel point il semblait différent à présent, alors que même il se prononçait exactement pareil. Les deux dernières lettres changeaient le nom du tout au tout. D'un nom de jeune fille, il devenait un nom de garçon. Voilà, maintenant tout s'explique. Tout s'éclairait d'un jour nouveau. Mon admiration pour Didier, la jalousie que j'avais pour le corps de mes frères, mes sentiments pour aimer, les rêves indécents que j'avais. J'ai toujours été un homme. Je ricanais comme un fou pour la première fois de ma vie. Je ris tellement en me voyant que j'en ai eu mal au ventre. C'était le premier ray de lumière qui m'apparaissait dans cette pièce verrouillée depuis bien trop longtemps. Voilà à quoi j'étais censé ressembler. Ma vie jusque-là, étriquée et inconfortable, ma vie en tant que fille, n'était que pur mensonge. Personne ne pouvait sérieusement penser à un ange en me regardant. J'avais toujours été un garçon, mais on m'avait dit que j'étais une fille. On m'avait forcé à agir en tant que tel. C'était logique que je me sente pas bien. Il fallait qu'il sache. Je ne pouvais pas être le seul à comprendre. Toute la maison devait le comprendre. Mu par ce unique désir, j'enfilai un drap sur mes épaules et enfonçai grand la porte. C'était ridicule d'avoir suivi les instructions de mère aussi longtemps et d'être resté terri dans ma chambre. À présent, je me sentais en pleine forme. Si vraiment il existait un dieu au ciel, alors ce changement en moi était sa réponse à mes prières. Un serviteur transportant un plat de nourriture se figea à ma vue lorsque je passais devant lui. Plus je m'avançais dans les couloirs, plus je sentais Dieu sur moi. Le soleil de midi brillait insolemment à travers les fenêtres. Mais à présent, avec ce rayonnement perçant qui m'illuminait, je me sentais proche, étrangement, de la lumière. J'entendis la famille réunie dans le grand hall. Tout le monde était là, sauf moi. La voix de Didier se plaignait du repas simple que l'église leur fournissait, mais sa fierté perçait dans son rire. La voix espiègle de Georges se vantait de la vie à la cour. La voix de père informait tout le monde que ses investissements avaient porté leurs fruits et qu'avec l'argent, il allait acquérir plusieurs nouveaux domaines. La voix de mère était bien moins vive que celle de l'autre reste de la famille. Elle répondait par monosyllabes, ligues de cendre, mais restait sinon au dehors des conversations. La voix d'aimé chantait les louanges de Georges, son mari bien-aimé. Peu importait si à côté, elle couchait avec Didier. Quelle mascarade que tout cela. Le reflet illusoire d'une vraie famille. C'est dommage que Michel ne puisse pas être là. On aurait eu tout le monde à table. J'étais là. J'étais juste là. J'étais parti nulle part. On m'avait juste enfermé dans ma chambre. J'espère qu'elle se remettra vite. J'ai jamais été malade. L'enfant que vous appelez Michel était en fait votre fils. Rien de plus. Hein ? Que ? Tous les regards étaient fixés sur moi. Je les jaugeais tous d'un bref regard, puis de ma voix grave, je leur dis : Je suis guéri. Ça fait 6 mois que je suis guéri. Qui êtes-vous ? Je suis sûr que vous ne m'avez pas oublié mon visage, n'est-ce pas ? Père ? Michel ? Michel ? Ce garçon est Michel ? Des murmures s'élevèrent dans toute la salle. Entre le hall. Mère pâlit. Père émit une objection. Didier me fixa au regard. D'ailleurs, Magakun, du coup, oui, comme tout le monde, j'avais dit parler de Eastern Apollo Trilogy, en fait, bon, c'est ça. Et je me disais, je me demande qui va doubler en fait les voix en français. Parce que vu qu'il y a des doublages qui vont arriver sur les cinématiques, j'ai hâte de voir comment les cinématiques vont être doublées. Franchement, ce serait drôle qu'on m'invite pour faire le juge, c'est très drôle. J'y crois pas du tout, bon, on sait jamais, hein. Dans un monde idéal. Georges resta bouche bée.
Aimé me contempla avec prudence, le regard apeuré. Quelle farce! C'était eux qui en avaient décidé à tort que je serais une fille. Que se passe-t-il? Quelqu'un veut m'expliquer ce que ça signifie? Vous déguisez votre fils en fille, mère? Je pensais que c'était une fille! Autrement, je n'aurais pas posé mes mains partout sur son corps! Vous m'avez menti! Je n'aurais jamais accepté si j'avais su! Non, non, non! Vous vous trompez! Ah bah merci. Merci en tout cas, merci de me dire que tu t'inspires de moi, mais... Après, j'ai pas... Justement, j'ai encore un peu mal encore des fois avec certaines voix, même là, tu vois. C'est pas clair. Non, vous vous trompez. C'est Michel et ma fille. Vous appelez ça une fille? Et dire que tout ce temps, j'ai inquiète parce que vous disiez qu'il était malade. Mais c'était que des mensonges. Vous ne pouvez plus le faire passer pour une fille, alors vous l'avez enfermé dans ma chambre, non? C'est ça? Et toi, tu aurais pu rester dans ta chambre. Qu'est-ce qui t'a pris de venir te montrer maintenant? Arrête, ne me regarde pas! Ne me regarde pas comme ça! Tu disais que tu pouvais deviner ce qui se passe dans ma tête, non? Quoi? Tu veux donc savoir exactement ce que je ressens pour toi à présent. Ne sois pas si imbu que toi. Je ne suis pas intéressé par une pute comme toi. Fou. Violent. Violent quand même là. Wouh. Wouh. Salut. Bonjour. Ça va? Alors pourquoi tu n'irais pas pleurer dans les bras de Didier? Tu... Ah quoi? Hein? De quoi vous parlez? Pourquoi Didier? Pourquoi pas moi? Hein? Quoi? Quelqu'un veut bien m'expliquer? Ce qui avait été autrefois une gentille petite famille volait désormais en éclats. L'espèce d'un instant, j'eus pitié de Georges, mais se vit balayer presque immédiatement. Il y eut un bruit de fracas provenant de la table. Des pleins virent s'écraser au sol en mille morceaux. Maudite! Une noirceur glaçante suintait de sa voix. Elle est maudite! C'était ma fille! Je l'ai vue de mes propres yeux! Je lui ai donné naissance! C'était une fille! Michel était une fille! Elle a été frappée par un mauvais sort! Quand Mère releva la tête, j'eus du mal à croire que c'était la même femme qui avait été restée à mon chevet pendant ma maladie, qui avait sacrifié son sommeil pour prendre soin de moi. Ses cheveux étaient d'un désordre sans nom et les profondes rides sillonnaient son visage. Attachez-la! Adieu-t-elle dans sa chambre et verrouillez la porte! C'est une fille! Une fille! C'était une fille, je vous le jure! Ouvrez les yeux! Est-ce que j'ai l'air d'être une fille? Est-ce que je ressemble à tant sans pas à une fille? Les cris de merde me rendaient fou. J'arrachais le drap de mes épaules, le jetais au sol. Je ne suis pas une fille! Hurlai-je. Attachez-la! Je vous en prie! Attachez-la! La peur régnait dans le grand hall. Quelques instants de silence. T'aurais une voix française que je verrais pendant Agitrilogie. Alors, je dirais pour Maya. Alors, parce que je sais que Maya, la voix de Maya dans le Professeur Layton vs Phoenix Wright, c'était Annie Chetail, donc alias Zelda dans Zelda Breath of the Wild et ce genre de choses. Après, franchement, je dirais, ce serait intéressant d'avoir des fans de la série dedans. Mais après, qui serait fan de la série assez pour pouvoir être dedans? Et je me dis, peut-être Masked Stalker ou Senseiya serait intéressant. Parce que je sais que les deux ont commencé leur doublage, ont commencé à être en doublage plus qu'amateur. Pour Phoenix Wright, je vois bien quelqu'un. Enfin, dans la réunion, je pourrais plus ça pour Apollo Justice. Pour Benjamin Hunter, ça dépend si Sean King est encore là. Geneviève Ndong, je ne sais pas. Je crois pas. Non, il me semble que c'était Adeline Chetai. Il me semble que c'était Adeline Chetai. Mais franchement, il y a des voix qui seraient hyper intéressantes. Parce que Maya serait intéressant pour Adeline Chetai, je pense. Blackwell, je dirais plutôt une voix un peu.
un peu grave. Alors, ouais, le problème, c'est que voix grave en masculin. Il y en a plein, mais le problème, c'est qu'il faut trouver un truc qui soit assez correct pour Black Will. Et là, comme ça, j'ai pas. Peut-être France. La voix de Bowser dans le film Mario, ça pourrait coller éventuellement. Et après, ça dépend vraiment de comment Capcom va travailler sur les doublages. Parce que ça, la question, c'est pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Jérémy Corbillot pourrait pas bête. Bon, faudra voir. Après, ça dépend qui vont prendre, parce que c'est ça le truc, c'est des banques qui vont prendre. Parce que j'imagine que c'est un principe de savoir qui serait le meilleur par rapport à telle voix, à tel personnage. Après, j'espère vraiment que si... Alors, JC Moine, employé de Capcom. Oui, c'est vrai que... Ouais, le problème, c'est que JC Moine, il commence à être vieux. Donc, est-ce qu'il aurait la même puissance pour Phoenix Wright que dans la trilogie originale? Je ne pense pas, personnellement. Je ne pense pas, malheureusement. Ce serait intéressant, mais je ne pense pas. Bon, du coup, je reprends la lecture. Quelques instants de silence glacial laissèrent la place à un murmure qui me plongea dans le même état de choc que les autres. Tu n'es ni fille, ni un garçon! Que diable es-tu? Tu es une abomination! Tu n'es pas un garçon. Tu es une abomination. Je suis quoi? Je m'étais vu dans le miroir. J'étais sans aucun doute un homme. Mes muscles avaient beau manquer de force, ils étaient néanmoins bien visibles. Mon torse était plat et j'étais plus grand qu'aucune fille. Ma voix était grave et j'avais une bosse évidente au milieu de ma gorge. J'étais un homme. Je devais être un homme. Quoi d'autre pouvais-je être? Mais alors pourquoi? Pourquoi aimer me regarder comme une sorte de créature bizarre? Un frisson me parcourut le long de la colonne. Et je me retrouvais soudain très mal à l'aise à aller être tout nu. Il n'y a rien là! Tu n'as rien là! Ah, rien là? Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Incapable d'assister, je restais silencieux. À ce moment-là, plusieurs serviteurs se précipitèrent dans le grand hall et virent me maîtriser. C'est une fille! C'est ma fille! Mère et bété! Non, mère et bété, confuse, ne faisait que répéter la même chose encore et encore. C'est une fille! Tout en gémissant, mère s'éloigna. Père restait immobile, silencieux. Aimé me contemplait, le regard empli de dégoût. Georges était encore paniqué et Billy tirait les poings. Bientôt, je retrouvais mon calme et je compris alors ce que j'avais commis une erreur. Ma maladie avait été transformée en malédiction. Je me retrouvais une fois de plus enfermé dans ma chambre. Ils avaient non seulement verrouillé la porte de l'extérieur, mais aussi barricadé les fenêtres pour qu'on ne puisse pas voir à l'intérieur. J'ai donc plongé dans les ténèbres perpétuelles. Je n'avais aucun visiteur, hormis les serviteurs, et à nouveau, aucun ne daignait croiser mon regard. Tous les jours se ressemblaient, jour après jour, jour après jour. Parfois, un serviteur venait m'apporter une lettre. C'était le seul événement qui pouvait interrompre ma routine. C'était l'écriture de ma mère sur le parchemin. Nous vivons dans la même maison, et pourtant elle refusait de venir me voir en personne. Je n'avais d'autre choix que de répondre à ses lettres. Elle exigeait que je parle comme une fille, et que je ne me sentais pas la force de lui tenir tête. Il y avait toujours une certaine fébrilité dans ses lettres, comme si elle allait craquer à tout instant. Je fis donc comme elle me le demandait. Je signais chaque lettre du nom de Michel, le nom de fille qu'elle m'avait donné à la naissance, un nom que je méprisais tant. À chaque fois que j'utilisais ce nom, j'avais l'impression de renier mon identité. Sur le papier, elle se disait inquiète pour moi, mais cette inquiétude ne faisait que rajouter du sel sur mes plaies. Alors que je prenais la plume, mes mains tremblaient. Mère. Je priais quotidiennement pour que ma malédiction soit un jour levée. Suis-je maudit? Est-ce que cela pourrait expliquer les changements survenus dans mon corps? Il n'était pas dû au fait que j'étais un homme? Il n'y a rien là. Qu'aurait-il voulu dire? Pourquoi m'avait-il regardé avec autant de dégoût? Suis-je une abomination? Pourquoi? Je ne comprends pas. Quelqu'un, n'importe qui! Je vous en prie, aidez-moi! Quelqu'un, je vous en prie! Voici votre souper.
Je reviendrai peu après pour débarrasser. Bon, j'y vais. Attendez. Pardon ? Attendez un peu. Oui ? Alors, par rapport à la gitrologie, vont-ils intégrer les idées d'un peu par le DLC ? Alors, je pense que soit elles vont être intégrées dans le jeu, soit elles vont être en bonus de précommande, soit elles vont être également en DLC. Le plus évident serait de les intégrer de base, mais c'est peut-être que ce soit un bonus de préco et que ce soit payant après. Alors le truc, c'est que je pense que bonus de préco, ce qui serait intéressant, c'est une affaire secondaire en plus. C'est-à-dire qu'il y aurait 3 affaires et pas 3, et pas 2. Mais la question, c'est comment... Ou alors, est-ce qu'il ferait genre une affaire qui serait entre... Après le 6, qui serait une affaire qui serait un petit peu un teaser pour A7. Ce serait drôle. J'y crois pas, mais pourquoi pas. Surtout que bon, je me dis là, vu qu'ils ont lancé ça avant le TGS, et que le TGS, il y a une grosse annonce après. Je sais pas. Faut voir. Oui. De quoi avez-vous besoin, Michel ? Êtes-vous un homme ou une femme ? Je vous demande pardon ? Homme ou femme ? Je suis tel qu'on me voit. Mais non, pour A7, une traduction française, minimum, en écrit. Et si possible, je l'espère un jour, complètement doublé. Parce que c'est vrai que je suis sur beaucoup de visual novels comme AI Lost and Unfold, comme les Zero Escape, où toutes les personnes sont doublées. Et c'est vrai que c'est ça qui manque à Estonie, c'est un peu un doublage pour les doubleurs. Est-ce que c'est possible ? Je pense que oui. Est-ce qu'ils le vont le faire ? Compliqué. J'ai envie, clairement. Et je voudrais un petit peu que Estonie reprenne un petit peu de ce qui se passe, qu'il prenne un peu la conscience de ce qui s'est passé depuis au niveau des jeux de style. Donc notamment par les Sonium Files, ce genre de jeux. Est-ce que ça va être le cas ? On saura ça bientôt, j'espère. C'est-à-dire ? Je suis un homme. Si ce sera tout, je vais y aller maintenant. Vos vêtements. Comment ? Enlevez vos vêtements. Tout de suite. Tout. Même vos sous-vêtements. Quoi ? Vous devez plaisanter, Michel. Je suis très sérieux. Je ne peux pas. Et pourquoi cela ? Je ne veux pas me retrouver nu. Je vous ai ordonné d'enlever vos vêtements. Vous me faites ça pour m'humilier ? Je vous en supplie de reconsidérer. Quel est votre statut ? Vous êtes un serviteur du domaine de Bollingeret. Vous êtes un serviteur du domaine Bollingeret. Et moi ? Je suis un enfant de la famille Bollingeret. Je vais être enfermé, emprisonné dans cette chambre. Mais ce n'est pas de moins de vous, mon serviteur. N'ai-je pas raison ? Vos vêtements. Michel ! Je vous ai ordonné d'enlever vos vêtements. Je n'ai pas eu le moindre petit soupçon de culpabilité en mon fort intérieur. Je ne ressentais aucune honte à agir ainsi. Il me fallait comprendre ce qu'Aimé voulait dire. C'était tout ce que je comptais, tout ce qui comptait. Je voulais découvrir la vérité. Je sens me douter qu'il aurait mieux valu que je ne sache pas. Le visage tordu d'humiliation, le serviteur se déshabilla devant moi. À la faible lumière de la bougie, le corps de l'homme était bâti comme un rectangle. Et au premier regard, il ne semblait pas très différent du mien. Mais à regarder plus près, je trouvais ma réponse. Je trouvais l'élément crucial qui me manquait. Pourquoi ? La partie inférieure de mon corps n'avait pas la partie qui faisait d'un homme un homme. Êtes-vous satisfaite, Michel ? C'est alors que je compris enfin ce à quoi le corps d'un homme était censé ressembler. Je vous en supplie, laissez-moi me rhabiller. Ce serait une honte cuisante de rester dévêtu aussi plus longtemps. Devant la fille Calais des Bollingeret. Fille ? Vous persistez à croire que je suis une fille, bordel ?
Regardez mes épaules, mon torse, regardez, écoutez ma voix. Comment pouvez-vous encore penser que mon corps est celui d'une fille? Mais votre apparence ne... Une peur bien réelle se lisait sur les yeux du serviteur, dans les yeux du serviteur. Ce n'était pas par respect par égard à notre différence de rang social. Non, c'est du dégoût pour cette chose incompréhensible qui se tenait devant lui. À voir ses yeux tremblants et la réalité de la chose qui pendait devant moi, j'ai senti une fois de plus toutes mes émotions refoulées remonter à la surface. Si vous n'aviez pas cela, vous et moi ne serions pas différents. Quoi ? Tout le reste est identique. Alors pourquoi ? Pourquoi en faire tout un plat ? Si je ne l'ai pas ! Michel ? Je suis un homme. Je suis un homme tout comme vous. Je ne suis pas la fille de personne. Et si vous persistiez à dire que nous ne sommes pas pareils, alors je ferai en sorte que vous soyez comme moi. Sans cela, vous n'êtes pas différent de moi. Un mélange de peur et de panique me poussait à agir. Et donc, pour équilibrer le tout, je décidai d'infliger à une autre cette même souffrance. Non, je vous en prie, ne faites pas ça, Michel. Dans un accélérage aveugle, sans même vraiment me rendre compte de ce que je faisais, obéissant tout simplement au cours impétueux de mes émotions, je saisis un couteau du plateau que l'homme avait apporté, le poussai en arrière et lui sauté dessus. Je vais m'en débarrasser! Vous serez comme moi! Sans cela, vous serez comme moi! Allez-vous-en! Je vous en prie! À l'aide! Vous serez comme moi! Venez! À l'aide! À l'aide! Michel! Un délire! Dans mon hystérie, je me rendis soudain compte que je m'étais entouré par de nombreux serviteurs et en un rien de temps, ils m'avaient plaqué au sol. Ils étaient tous aussi nombreux, si ce n'est plus, que lorsque j'avais fait une scène dans le grand hall. Une dizaine de serviteurs me fixaient, les yeux remplis de peur et de dégoût. Et dans l'ombre, derrière cette foule, j'aperçus Mère qui me considérait, le regard vide. Mère! Mère, pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous me parler que par des lettres? Pourquoi dites-vous que je suis maudit? Mère! Je suis un homme! J'ai toujours été un homme! Dites-moi, j'en suis un, mère! Laissez-moi sortir, je vous en prie! Je ne délire pas, j'ai toute ma tête, je vous assure! Je suis normal, je n'ai aucun problème! Je ne suis pas maudit! Mère, dites quelque chose! Mère! Après cet incident, je m'en trouvais enfermé dans ma chambre à nouveau. Et cette fois, même les serviteurs cessèrent de venir. J'avais beau pousser, tirer, cogner, m'acharner contre la porte et sur les fenêtres, rien ne bougeait. Un jour passa, puis un autre. Sans eau ni nourriture, je commençais à me dire que j'allais mourir ainsi. Je ne m'étais jamais rendu compte de la souffrance que c'était de passer autant de temps sans boire. J'avais la gorge sèche et crevassée. J'avais l'impression qu'elle était en feu et je peinais à peine à respirer. 2 jours. 48 longues heures. J'avais l'impression de devenir fou. Après 2 jours seulement, je n'avais plus que la peau sur les os et ma silhouette n'avait l'air anguleuse et desséchée à la faible lumière de la bougie. De l'eau. J'ai besoin d'eau. S'il vous plaît, quelqu'un, donnez-moi de l'eau. Pourquoi personne ne veut m'en donner? Pourquoi? Ma famille m'avait abandonné et me laissait mourir dans cette pièce. À cette prise de conscience, j'eus une crise de tremblement incontrôlable. Mon impuissance menaçait de m'étouffer. La peur de la mort se changea en panique, ce qui faisait qu'accroître mon état de confusion. Je m'emparai d'une chaise, la balançai contre la fenêtre, contre la porte. Mais toutes mes tentatives se soldaient par des cuisants échecs. S'il vous plaît ! Appelai-je à l'aide en griffant à la porte. Je vous en prie, ouvrez cette porte ! N'importe qui ! De l'eau ! J'ai besoin d'eau ! Une goutte, rien qu'une goutte ! Je vais finir par crever ici ! Je vous en prie ! À l'aide ! Mère, père ! Didier, Georges ! Que quelqu'un ouvre la porte, je vous en supplie ! Venez m'aider ! S'il vous plaît ! J'ai besoin d'eau ! D'accord, j'ai mal, ça brûle ! Je suis
Je suis trop faible. Apportez-moi de l'eau. Didier Georges. À l'aide. Pas une seule âme me vint à la rescousse. Sans eau ni nourriture, le troisième jour arriva, passa, puis vient le quatrième. À ce stade-là, comme on peut l'imaginer, j'avais perdu toute dignité et je gisais immobile dans mes propres immondices. Tandis que mon corps se détériorait rapidement. Je m'accrochais pourtant au fol espoir que quelqu'un vienne ouvrir cette porte. C'était tout ce qu'il me restait. Parfois, j'entendis des bruits de pas. À chaque fois que ça se produisait, je rassemblais toutes les forces qui me restaient, aussi maigres soient-elles, pour tambouriner à la porte. Qui que ce soit, je vous en prie, ouvrez la porte! Je vous en supplie, qui que vous soyez! Mais mes suppliques restaient lettres mortes. Les servantes ne me répondirent même pas, mais je les entendais murmurer à l'autre côté de la porte. Tu as entendu? Oui. Oui. Je me demande ce qui lui est arrivé à Dame Michel. Il paraît qu'elle est maudite. Peut-être qu'elle a vendu son âme au diable. Quelle horreur. Ne nous approchons pas cette porte. À moins de vouloir être maudite nous aussi. Je ne suis pas. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas vendu mon âme au diable. Elle me fait un peu peur. Je crois que je vais aller chercher du boulot à l'heure. Hier. Assurons-nous de rester loin de cette porte. Pourquoi vous pensez que je suis maudit? Je n'ai jamais rien fait de mal! Dame Michel a perdu la tête. Elle est dérangée. J'ai peur rien que de penser à elle. Je ne suis pas dérangé. J'ai l'esprit parfaitement clair. Elle est complètement cinglée. Elle est folle, tout bonnement. Non, je ne suis pas! Je suis tout ce qui est plus normal! À l'aide! À l'aide! Sortez-moi d'ici, je vous en supplie! Le cinquième, puis le sixième jour passèrent. J'en étais arrivé au point où la mort me guettait d'un instant à l'autre. Je n'avais même plus la volonté nécessaire pour me tenir face à la porte. Non, je restais étendu au sol, sur le sol froid, et j'attendais la fin. Je ne ressentais ni la tristesse, ni la colère, ni le désespoir. Plus rien du tout. J'étais plus qu'une coquille vide et desséchée. Je n'arrivais même plus à forcer une seule coursée cohérente. C'est pourquoi, quand la porte que je désirais tant voir ouverte s'ouvrit pour de vrai, et que quelqu'un entra, s'accrocha de moi, je fus incapable de réagir. Mon Dieu, quelle horreur! Hé, tu n'es pas mort, j'espère? Eh bien, voyez-vous cela? Et moi, je craignais que tu sois plus en vie. C'était la voix d'Aimé. Je suis navrée, vraiment. Je ne voulais pas te faire autant souffrir. Mais après tout ce que tu as dit devant toute ta famille, j'étais quand même un petit peu énervée. Je ne saisissais pas ce qu'elle me disait. J'entendais simplement des boborhythmes. C'est quoi ce mot? Boborhythme, c'est quoi ce mot? Alors là, il faut que j'apprenne parce que c'est un mot que je ne connais absolument pas. Même de loin, ça me dit absolument rien. Attendez. Borborhythme sont des bruits associés à la digestion et provenant des intestins du côlon ou parfois de l'estomac. D'accord. Très bien, je ne savais pas que ça existait. Très bien, je dormirai moins con ce soir. Je ne pouvais que lui répondre que par des gémissements. Depuis ta petite crise, les serviteurs ont tous peur de toi maintenant. Je me suis donc porté volontaire pour t'apporter la nourriture à leur place. Tout le monde était tellement reconnaissant. Je pense que plus personne ne t'aime. Peu à peu, mon esprit confus réussit à deviner ce qu'elle tenait entre les mains. Un plateau rempli de nourriture. L'odeur me parvenait enivrante. Au début, j'ai pensé simplement tenir la nourriture à un chat errant. Si seulement tu l'avais vu dévorer tout jusqu'au dernier morceau.
Oh. 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 Mais ce que je ne savais pas, c'est que les gens peuvent mourir en seulement quelques jours sans eau. J'ai jamais voulu te tuer, hein. Je n'étais pas au courant, c'est tout. Tu m'en vas vraiment désolé. De l'eau. Mais tu es vivante. Pour quelqu'un aussi faible physiquement, tu es plutôt coriace. Si c'est pas fantastique ça, il y a au moins une chose dont tu peux être fier. De l'eau. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau? Tu veux de l'eau? Attends, j'en ai juste ici. Elle prit un globet de ses doigts délicats. Je levai faiblement les mains en l'air pour essayer de l'attraper. Elle se fendit d'un vilain sourire et le laissa tomber. Allez, bois. Grosse connasse. Je vais être honnête, grosse connasse. J'avais gentil en disant grosse bêta, mais non. Non, ça, c'est clairement Tu ferais bien de te dépêcher, le tapis va bientôt tout absorber. Tu voulais de l'eau, non? Alors bois. À cet instant, j'entendis ce qui me restait de dignité tomber en morceaux. Mu seulement par mon simple instinct de survie, je rampai jusqu'au tapis et posai mes lèvres contre la mare qui se répandait. Ah mais si tu le vois vraiment en plus! C'est vraiment trop drôle, Michel! On dirait un chat! Non! Les chats sont beaucoup plus gracieux. Ah, je n'en peux plus, tu me fais tellement rire. La fille d'une famille prestigieuse, les Bollingueres, lapant de l'eau sur un tapis. J'aurais bien aimé avoir un peintre à mes côtés pour immortaliser ce moment. Tu sais, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, Michel. Je te promets d'apporter ta nourriture à l'avenir, hein. Je prendrai vraiment bien soin de toi. On va bien s'amuser. Lorsque j'entendis son rire si enfantin et en même temps si profondément malveillant, à ce moment-là, je compris. J'étais son jouet à présent. Mon enfer ne faisait que commencer. Mon corps se remit quelque peu après avoir ingéré de l'eau et de la nourriture. Mais j'étais pas dans la meilleure des formes non plus. Cela prendra du temps, mais vu que j'avais tellement souffert de la faim. Aimé continua à me traiter comme son animal de compagnie, ravivant constamment la rage qui me consumait. Mais j'étais trop faible pour rester à pur pied très longtemps et parler me faisait mal à la gorge. Je suppose que c'était calculé de sa part pour enfin garder le pouvoir sur moi, afin de me rendre aussi misérable que possible. Elle avait toujours un petit sourire suffisant quand elle me regardait. Allez, ouvre la bouche! Aujourd'hui, je vais te nourrir moi-même. Où est le problème? Si tu gardes la bouche fermée, je ne pourrai rien te donner. Peut-être que tu veux mourir de faim, non? Et mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais parce que c'est amusant, voyons. Tu t'es marié à un membre de ma famille, espèce de taré! Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me traiter ainsi, moi, comme ça? Est-ce que tu veux dire que, comme je suis marié, je suis d'un statut inférieur à toi? C'est vrai, tu as raison. Mais où veux-tu en venir? Tu penses que tu peux m'intimider avec ce genre de formalité? Aimé! J'aimerais que tu ne prononces pas mon nom, si ça te dérange pas. Ça n'excuse rien la manière dont tu me traites, hein. Quelqu'un, Didier ou Georges, te le fera payer. Non. Ça n'excuse rien la manière dont tu me traites. Quelqu'un, Didier ou Georges, te le fera payer. Tu n'as pas un seul abîme ici, Michel. Personne pour prendre ta défense. Et personne pour s'élever contre mes petits jeux avec toi, non? En supposant que, d'une certaine manière, tu puisses prévenir quelqu'un, personne ne te croirait. Mensonge! Sais-tu seulement ce que les gens disent de toi? Ils disent que tu es devenue folle, que tu as vendu ton âme au diable. Crois-tu honnêtement que quiconque puisse te faire confiance? Je ne suis pas fou! Pas si sûr, tu m'as vraiment atteinte. Eh bien dans ce cas, je prendrai la fuite! Je m'enfuirai loin de ce domaine, et de toi! Tu penses que tu pourrais survivre à l'extérieur, toi, avec ton corps?
Un chien errant a plus de force que toi. Jamais tu ne trouverais de travail. Je fais une semaine, pas plus. Tu peux pas en être sûr. Peut-être que je m'en sortirai seul. Peut-être. Mais dans tous les cas, il est hors de question que tu sortes. Si tu essaies de t'échapper, quelqu'un risquerait de par mégarde de te couper les jambes. Quoi? Mais pourquoi? Ce n'est pas moi qu'il faut demander. Peut-être que c'était peut-être parce que ta malédiction n'a pas été levée. Tu as de la chance qu'on puisse te laisser vivre en premier lieu, tu sais. Et tu devrais te montrer plus reconnaissante envers moi, de m'être portée volontaire pour m'occuper de toi. Personne d'autre ne voulait s'approcher de toi. Donc si tu veux continuer à vivre, tu ferais bien me témoigner un peu du respect et d'obéir à tout ce que je te dirais de faire. Compris? Alors le voilà donc le vrai visage. Tu faisais donc semblant d'être juste respectable. Alors qu'en réalité, non seulement tu couches avec Didier, mais en plus t'es une femme tout à fait abjecte. Tu joues la comédie depuis que t'es arrivé. Oh, attends, je serais pire que les autres. Je suis tout à fait normal, merci bien. Tu trouves ça normal comme comportement? Écoute-moi bien, Michel. La partie de moi que tu vois à présent ne représente pas forcément le tout. La gentille fille que je présente à la famille, c'est tout autre en moi. Et quand je suis tenu dans mes bras, c'est encore moi. Je ne joue pas la comédie. Menteuse! Même si, pour te dire la vérité, je n'ai jamais vraiment apprécié. Donc cette partie-là était un mensonge, oui. Si mère me l'avait pas menti, je n'aurais même pas songé à me montrer amical avec toi. Aimé! Tu sais, la vie d'une famille noble est si ennuyeuse. Nous sommes tellement limités. Aucune place pour l'amour. Comment peux-tu vraiment m'en voir? Il se trouvait qu'il y avait un magnifique chevalier devant moi, libre comme l'air. Quelle raison aurais-je plus de ne pas en profiter? Je suis encore jeune. Laisse-moi m'amuser un peu, tu comprends? Ce n'est pas comme si la femme avait des tas d'occasions à se divertir libre autrement. Donc c'était pas Didier. Mais c'est toi qui l'as séduit, lui! Et tout aurait marché à merveille. Si seulement tu verrais aller pour toi ce que tu savais. Non seulement, non contente de cacher notre réunion de famille, d'endommager ma réputation, tu m'as en plus traité de pute. Et ça, c'était pas très gentil de ta part, n'est-ce pas? Est-ce surprenant si je suis un tantinet blessé? Tu peux te vouloir qu'à toi-même, Michel. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même? Comment oses-tu? Rien ne justifie ce que tu m'infliges. Ce n'est pas moi qui ai dérangé. Sale garce, tu es faux allié. Et n'essaie pas de prétendre le contraire. Maudite sois-tu! Oh là là, surveille ton langage. Tu n'es pas très gentil avec moi, Michel. Les filles ne sont pas censées parler comme ça, tu sais. Mais je ne suis pas une fille! Tu es quoi dans ce cas? Je suis un homme! Un homme? Avec un corps pareil? Aimé se leva tranquillement, m'attrapa par les cheveux et me jeta au sol. Lâche-moi! T'appelles ça un homme? Tu n'es même pas capable d'échapper à l'emprise d'une fille. Je ne suis pas très forte en plus. En fait, je dirais même que je suis assez faible. Rien qu'une pauvre fille sans défense. Si tu étais vraiment un homme, tu n'aurais aucun problème à t'échapper, mal nourri ou pas. Mais tu en es incapable. Va! Elle se mit à tracer du bout de l'ongle le contour de mes côtes émaciées en disant doucement, tout doucement, le long de mon torse. Et même en laissant ça de côté, il te manque la partie la plus importante. Arrête! Va-t'en! J'essayais de rassembler toutes les forces que je pouvais dans mes bras pour la repousser. Mais comme disait Aimé, je n'arrivais même pas à prendre le dessus sur une fille. Je restais impuissant au sol sous elle, à la supplier. Lâche-moi! Et à gémir de colère et de frustration. Son doigt s'arrêta juste au-dessus de mon nombril. Elle me regarda, fit un léger sourire, puis ôta sa main. Et au moment où une vague de soulagement me submergeait, elle me repoussa, sauta sur ses pieds, et me donna un violent coup de pied entre les jambes. Je fus secoué de tremblement, alors que la douleur remontait le long de ma colonne.
pendant que je hurlais et me fixais. Le visage déformé par un vilain rectus. Oh mon Dieu, ça fait mal! Ça, c'est une surprise. Même quand on n'a pas les parties mal, ça fait quand même mal. Ah, arrête, par pitié! Mais elle ne s'arrêtait pas là. Elle me marcha dessus. Je t'en supplie, arrête, par pitié! Elle enfonça ses pieds dans ma chair. Qu'est-ce que tu es au juste, Michel? Au toucher? Je n'ai pas l'impression que tu es de partie femelle non plus. Aimé! S'il te plaît! En plus de la douleur physique, une humiliation et une honte insoutenable me consumaient l'esprit. Quelle étrange créature! Arrête! Si j'avais pu mourir là, maintenant, honnêtement, ça aurait été préférable à l'enfer psychologique qu'elle me faisait vivre. Tu devrais te regarder dans un miroir, Michel. Tu pleures. Tu sanglotes comme une pauvre petite fille. Ça n'est pas très garçon, hein? Et dire que tu me désirais avec ce corps? Sérieusement? Tu es dégoûtante. J'ai du mal à croire que tu aies vraiment eu le culot de tomber amoureuse de moi. C'est fou quand même, hein? C'est quand même bien violent. Ça va parce que... Non, ça va. C'est-à-dire que... Tu comprends pourquoi elle est aussi aussi horrible. Mais... Enfin, tu comprends. Tu acceptes pas, bien sûr. Clairement. C'est horrible. C'est horrible, ça devrait pas être fait. Mais... C'est... À l'époque, quoi. À l'époque... Déjà qu'à l'époque, l'homosexualité était considérée comme péché. Alors imagine la transidentité. C'est encore pire. Malheureusement. Malheureusement! Et le pire, c'est qu'il y a encore des gens maintenant qui pensent que la transidentité est une mauvaise chose. Il y a toujours des gens qui pensent comme ça. Et c'est vraiment triste. Les mauvais traitements d'Aimée se répétèrent. Comme elle l'avait promis, elle vint me nourrir tous les jours. Mais son arrivée n'apportait qu'angoisse et torture. Chaque jour, elle entaillait davantage mon mental. Mais je n'avais pas encore rendu les armes. La colère continuait de dominer la peur que je ressentais. Environ une semaine après qu'Aimée avait commencé à s'occuper de moi. Tu as été une gentille fille, Michel. Je t'ai apporté ton souper. Je vais le mettre juste ici pour toi. Quel est le problème, Michel? Ta nourriture est juste là. Elle va refroidir. Allez, mange. Mais sans utiliser les mains. Rampe et utilise ta bouche. Allez, mange. Ou bien tu préfères que je m'en occupe? Pardon? Tu as quelque chose à dire? Je te tue. Je ne comprends pas un mot de ce que tu me racontes, Michel. Si tu voulais bien manger, tu aurais assez de force pour parler. Tuerais. Hein? Je vais te tuer! Aimée! C'était, je crois, la première fois de ma vie que j'avais un désir sincère, impétueux de mettre fin à la vie de quelqu'un. Je voulais la voir morte. Les mains et les jambes liées, je me tortillais tant bien que mal jusqu'à elle. Et comme le chien qu'elle voulait, tel que je sois, je lui mordis le poignet. Ah! Le goût du sang me procura une sensation bien plus désagréable que je me serais attendu. Je me sentais sur le point de vomir. Ah! Mais j'étais déterminé à ne pas lâcher son poignet sous aucun prétexte. Je rongerais jusqu'à l'os et lui arracherais la main tout entière. Elle pouvait bien se me battre jusqu'à ce que je perde connaissance, je ne lâcherais toujours pas. Elle serait obligée de me tuer pour se débarrasser de moi. Je voulais qu'elle connaisse la même douleur que moi. Quand elle me piétinait, quand elle me foutait, qu'elle me foulait aux pieds. Lâche-moi! Mais mon corps ne faisait jamais ce que je voulais. J'avais beau jurer sur ma vie que je ne lâcherais pas sa main pour rien au monde, il semblerait que je ne puisse pas donner à mon corps à ma volonté. Le pied d'Aimée s'enfonça dans mon ventre émacié. Le bout pointu de sa chaussure transperça ma chair tel un couteau.
et je m'effondrai par terre, pris de convulsions. Et puis le moment où j'allais cracher de la bile, elle plongea son talon dans mon estomac une seconde fois. Elle ne me laissait même pas assez de temps pour me remettre sur pied. Sans parler de pouvoir répliquer avant de me frapper à nouveau. Encore et encore et encore et encore. Arrête ! Dans mon ventre, mon torse, mes jambes, mon visage. C'est quoi ton problème ? Tu ne comprends toujours pas ? C'est pas toi qui dirige là ! Tu devrais me dire, tu devrais me remercier ! Ah ! Ce que tu m'as fait ce jour-là était extrêmement blessant. Et pourtant me voilà à t'apporter ta nourriture. Tu ne vois pas comment j'ai bon cœur ? Alors qu'as-tu à gagner en me mordant, hein ? Qu'est-ce qui te prend de faire une chose pareille ? Le temps pour reprendre ma respiration, ma conscience s'éclipsait peu à peu. Je surpris le regard d'Aimée tandis qu'elle se préparait à me donner un nouveau coup de pied. Un seul mot me vint alors à l'esprit. Démon. N'est-ce pas pitoyable ? Tu ne peux même pas te défendre contre une fille. Je ne suis pas très forte. Je suis faible et fragile. C'est la première fois que je frappe quelqu'un. J'ai un contrôle absolu sur toi, Michel. Tu comprends ça maintenant, non ? Tu as retenu la leçon, n'est-ce pas ? Je n'avais plus la moindre force. Ma langue et mes joues étaient déchirées. J'avais un goût de sang dans la bouche. Comme elle se croyait faible et qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine de la violence physique, elle n'avait aucune limite. Un ignorant peut se montrer bien plus brutal, implacable et vicieux que quelqu'un d'aguerri. Je voyais tout rouge et je ne sentais presque plus mon visage. Un bruit bizarre de gargouillement accompagnait chacune de mes respirations. Ah mon Dieu, que vais-je faire avec cette main ? Elle me fait tellement mal. Ah, je sais. Je veux dire à tout le monde que tu as fini par perdre totalement la tête. Et que tu essayais de m'arracher la main. Ils se sentiront tous vraiment mal pour moi. Je les vois. Je vois déjà les regards tristes de Didier et de Georges. Ils ne vont. Tes frères, tu sais, ont abandonné tout espoir pour toi. Une sœur dérangée. Ça n'apporte que des ennuis. Tu sais ce que tu es, Michel ? Tu es l'enfant du démon. Pourquoi ? Pourquoi était-ce moi le démon ? Et pas elle ? Pourquoi ? Est-ce que personne ne venait me venait en aide ? À bien des moments, je songeais à mettre fin à ma vie. Mais à chaque fois que ça m'arrivait, des souvenirs des jours meilleurs me revenaient en mémoire. Du moment où mon corps ne s'était pas encore transformé. Nous étions encore si certains de notre bonheur. Et ce souvenir chéri me rattache à la vie. Pourquoi les choses n'avaient-elles pas pu en rester là ? Dans mon cœur, je n'avais pas eu tout changé. Alors comment en était-on arrivé là ? Michel ! Oh, Michel ! Tu es là ? Qu'est-ce que tu veux, Georges ? Oh, allez, fais pas la tête ! Est-ce que j'ai besoin d'avoir une idée derrière la tête pour te parler ? Non, mais tu semblais extrêmement bonne humeur. Alors j'ai pensé... Eh bien oui, pourquoi pas ? Il fait un temps merveilleusement sinistre dehors. J'aurais compris s'il faisait beau, mais... Est-ce qu'on peut vraiment dire merveilleusement sinistre ? Eh bien, comme tu peux pas rester très longtemps... Quand c'est dégagé, dans ce cas, c'est le temps parfait. Ah... Autant profiter pour en faire une petite promenade tant qu'on peut, tu ne penses pas ? Dis, aussi dans le coin aujourd'hui, alors si on peut le voir, on peut le voir si t'as le tente. Ça sera comme avant. On court partout comme des dératés à dernièrement. Donc on n'a pas eu trop le temps pour se voir tous les trois. On demandera à mère de nous préparer un repas et puis... Ah bah, on pourrait aller jusqu'à l'orée de la nuit, l'orée de la forêt en cheval, quoi. Je suis d'accord, ça te va aussi. Et pas qu'un peu, ça me va. C'est moi qui ai proposé après tout. Allez, viens, on y va. Une excursion, tu dis ? Dans les milles, on saute sur les chevaux et on fonce vers la forêt.
Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vois, très bien. Et si Michel vient, je ne vois pas aucune raison de le refuser. Mettons-nous en doute immédiatement. Oh, hé, hey, attends un peu. T'es en train de me dire que tu ne viendrais pas si tu y avais que moi? C'est Michel ou rien? Évidemment. Pourquoi ne dirais-je pour chevaucher tout seul avec toi? Autant me noyer. Mais Didier, est-ce que par hasard je peux te demander un petit quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Ça te dérange si je tiens les rênes du cheval? Oh, c'est tout, j'en prie. À ton honneur, je suis juste derrière toi pour m'assurer qu'il ne t'arrive rien. Mais je regarde te revenir, mon cheval est assez capricieux. Si tu n'es pas douce avec lui, il va se montrer ombrageux rapidement. Mais je pense que ce ne sera pas un problème pour toi, Michel. Je serai prudente. Hé, hey, hey, oh! Ralentissez, les gars! Regarde-moi ça, Michel. Genre, j'ai encore tout là-bas à essayer de s'en sortir. Est-ce qu'on va pas un peu trop vite? Non, non, tu t'en sors bien. Le fait que tu aies réussi à franchir ce passage aussi promptement est bien la preuve de ton talent. Ah, je vous ai rattrapé enfin. C'est pas une cause, vous savez. On pourrait pas plutôt profiter du visage, s'adonner à quelques beaux discours, être en phase avec notre émotion, avec nos émotions? Un guerrier et son cheval n'ont plus besoin d'émotions. Ce n'est pas vrai, Michel? Très certainement, Didier. Allez, soyez gentils, c'est mon idée! Tu ressembles de plus en plus à ce bon vieux dit, hein, Michel? En ce qui me concerne, je préférais que tu passes ton temps à admirer les fleurs, à danser avec les papillons, à regarder un beau coucher de soleil tout en déclamant de la poésie. Plus d'émotion, ma chère sœur, et moins de barbarie. Mais les épées, les armures et les contes de chevaliers héroïques sont bien plus attrayants. Tu vas laisser répondre ton venin en doigt, Michel. Oh mon nom, mon dieu, je me retrouvais avec deux crétins comme frères et sœurs en moins de 33 mouvements. Comment est-ce que tu viens de m'appeler? Allons, du calme. Et si on s'arrêtait là pour te paniquer? Adjugé, j'ai sa main dans les talons, il se gronde comme un ours. J'ai pris quelques morceaux en chemin parce que j'étais sûr que je ne survivrais pas. J'espère que ton cheval te jettera dans une rivière. Cette image est cool. Même si bon... Hé, en fait, l'autre jour, j'ai ramené un chat à la maison. Ah. Un chat? Oui, taché de la quête au queue, de la queue à la tête, et laid comme un cul de sorcière. Je voulais le garder dans ma chambre, et maman m'a fait une crise quand elle l'a vu. Il est hors de question que j'ai ce genre de choses dégoûtantes sur mon toit. Si seulement on pouvait la raisonner, elle, c'est son obsession de la propreté. Genre, j'essaie de pas trop perturber mes mères. Tu es déjà assez imprévisible comme ça. C'est vrai que ce serait bien d'avoir un chat. Enfin, ce serait bien d'avoir un chat, je veux dire. Et le revoici, alors j'ai une idée. On n'a qu'à garder ce dans la cour, non? Je le nourrirai tous les jours, il fait beau, et tu pourras le faire quand ce sera nuageux, Michel. Mais je ne sais pas ce que mangent les chats. D'après moi, il aimerait bien une pâtisserie. Est-ce que ton but c'est de tuer cette pauvre créature? Personne ne devrait prendre soin d'un animal qui pense que ça, c'est une bonne idée. S'il pense que ça, c'est une bonne idée. Désolé. Ah. Tu veux pas t'en sortir ton balai du cul, petit? Vivre, c'est perdre des expériences, non? Apprendre sur le tas? N'expérimente pas sur des animaux! Bon, si tu prends comme ça, tu n'as qu'à aller toi aussi. Tu garderas un œil pour nous assurer, pour t'assurer qu'on ne fait pas bêtises. Quoi? Et maintenant, t'essaies de m'entrer là-dedans? C'est fait, t'es impliqué, marché conclu! Bordel, Georges! Maintenant, on n'a plus qu'à trouver un nom. Tu as des idées, Michel? Quoi? Tu veux que je lui donne un nom? Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de donner un... Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de donner un nom à un être vivant. Je reviens 30 secondes, par contre, tout de suite. Excusez-moi.
Me revoilà. Excusez-moi, j'ai un peu de temps. Et c'est pas tous les jours qu'on a la chance de dominer un noir, un être vivant. Enfin, tout bien réfléchi, tu devrais avoir quelques occasions encore à l'avenir. Voir comme ça comme un entraînement. Quelque chose d'élégant et de beau, à toi de jouer. Allez, allons, Georges. Ne l'aie pas autant pas pression. Mais tu as raison sur un point, c'est une bonne opportunité. Ne va pas chercher à minuit à 14h, Michel. Choisis simplement quelque chose que tu aimes bien. Tu as dit que le chat était acheté ailé. Ouais. Ouais, quand tu vas le voir, tu vas venir rire si fort que tu n'arriverais pas à respirer. Très bien alors. Moucheté. C'est ça son nom? De toute évidence, tu ne feras pas la cure dans les arts, Michel. Mais tu as dit qu'il était moche et tacheté, Georges, alors. Moucheté. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais t'aurais pu quand même trouver quelque chose de plus original. Bon, d'après toi, pourquoi pas. Moucheté ce sera, alors. À vrai dire, ça a pris un certain charme, quand on le dit à la voix haute. Moucheté. C'est pas drôle. C'est vrai qu'il se pose là. Plus j'y pense et plus je... Ah Didier, tu vas pas t'y mettre aussi, non? Non. Didier, tu vas pas t'en mettre toi aussi, non? On a quand même des mouchetés à notre prochaine excursion. On pourrait s'asseoir sur les nuages. Sous les nuages, déjeuner. En effet. Quand Michel sera un peu plus grande, remettons cela. Nous trois plus notre chat mouche est acheté. Je te prends un mot, c'est qu'on est bien amis, après tout. Oui, enfin, j'ai jamais été ton ami. Ah, c'est vrai, mais tu peux pas t'empêcher de jouer avec un crétin, non? Didier, Georges, est-ce que Aimé disait vrai? Vous pensez vraiment que je n'apporte que des problèmes? Vous pensez que j'ai perdu l'esprit? Que je suis l'enfant du démon? Didier, Georges, pourquoi n'ouvrirez-vous pas cette porte pour me laisser sortir? Est-ce que j'ai vraiment eu ce jour-là des crocs aussi terribles? Est-ce que vous m'en voulez aussi comme Aimé? Didier, Georges, qu'est-ce que vous pensez de moi à présent? Mon corps est-il bizarre à ce point? Si je n'avais pas subi cette transformation, est-ce que les choses seraient revenues comme avant? Est-ce qu'on aurait pu enfin à nouveau retourner dans la forêt, parler de tout et de rien, rire bêtement comme on faisait à l'époque? Si mon corps n'avait pas été autant changé, je ne serais pas enfermé dans le noir comme je le suis. Quand bien même ce serait le cas, je ne voudrais pas être une fille. Si Dieu était descendu au ciel et m'avait proposé de me faire redevenir une fille, j'aurais décliné son offre. Parce qu'au fond de moi, je n'étais pas une fille. Entre les mains d'Aimé, mon cauchemar ne s'arrêta pas là. J'ai honte de l'admettre, mais elle me terrifiait. Chaque jour, je redoutais le bruit de la porte qui s'ouvrait. Pourtant, si je bloquais la porte avec un meuble, je perdais la seule source de nourriture qui me restait. Je n'avais pas autre choix en la matière. C'est l'heure du souper, Michel. Je t'apporte ton plat préféré, des navets. Enfin, ce que les chiens n'ont pas voulu manger, bien sûr. Mais ça te dérange pas, n'est-ce pas? Je vais te couper les ongles aujourd'hui, Michel. Il faut que ça reste bien, que tu restes bien immobile, sinon mes mains risqueraient de glisser. Alors, pour être sûr que ça ne produise pas, je vais t'attacher. Comme ça, tu ne pourras pas être bougé par mes gardes. Voilà ton nom, Michel. Elle est bouse? Ah, oh, pardonne-moi. J'ai dû t'apprendre de la lessive par erreur. C'est l'heure de souper, Michel. Je t'ai encore apporté des navets. Ne t'en fais pas, les chiens n'ont pas mangé cela. Ils n'avaient pas l'air de vouloir les manger crus. Quoi? Tu n'en veux pas? Ah. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec? Tu sais, Michel, tu es une telle honte. Pleure pour moi, tu veux bien? Supplie-moi.
Voyez-vous cela? Toute cette arrogance. Envolée. C'est hilarant, je t'assure. Elle fit tout ce qui était imaginable pour me torturer, à la fois physiquement et mentalement. Pour être honnête, c'était assez impressionnant, dans le genre malsain, de voir à quel point elle arrivait à inventer des matières, des manières si différentes de me tourmenter. Et elle savait exactement ce qui me causerait le plus de souffrance. Mon corps et l'écart que j'avais entre ce que j'étais et ce que je pensais être. Elle prenait grand plaisir à me dire que j'étais pas un homme, et parfois à me le montrer. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'écrire plus avant ce qu'elle m'a infligé. Mon seul moyen de défense pour m'empêcher de m'effondrer complètement consistait à cesser totalement de parler, à cesser de lutter. Puis un jour, après 6 mois environ, elle émit un soupir blasé et dit « J'arrête ». Et ce fut tout. En voyant ma fierté et en cessant de résister, je réussis à échapper à son emprise. Après son départ, les domestiques reprirent le service. J'étais toujours enfermé, mais désormais, il y avait une certaine sérénité dans ma solitude. Je ne parlais à personne. Je ne croisais le regard de personne. Je ne faisais rien. Je vivais, tout juste. J'avais beau avoir désormais la paix, je craignais quand même que Aimée change d'avis. Je tremblais à la possibilité qu'un jour, ce soit elle qui ouvrait la porte. Mais par-dessus tout, je détestais, je méprisais le fait de vivre dans une telle peur d'une fille. J'étais submergé par une vague de haine envers moi-même qui faillit m'engloutir. Je faisais des cauchemars récurrents sur ce que Aimée m'avait fait subir. Les blessures qu'elle m'avait infligées ne me guérissaient pas. Au contraire, elles empiraient, elles me rongeaient jour après jour. Je commençais à perdre confiance dans ma propre santé mentale, entouré de ces ténèbres silencieuses, où je n'avais aucune notion du passage du temps. La limite entre le rêve et la réalité se faisait encore plus ténue. Je me retrouvais souvent en train de hurler ou de pleurer tout seul. Je me griffais la peau, je m'arrachais les cheveux, je faisais les 100 pas dans ma chambre, je cognais à la porte, criant à l'aide. Je hurlais encore et encore. J'étais l'image même de la misère qui suscite la pitié. La détresse absolue. Et chaque fois que cela me prenait, je suis sûr qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté de la porte pour me dire à mot couvert que la pauvre Michel avait perdu l'esprit. Au bout d'un moment, je renonçais complètement. Une nuit de tempête, dans ma 16e année, cela faisait plus de 2 ans à ce moment-là que j'étais enfermé. Une pluie battante frappait les fenêtres d'un millier de petites lances. J'étais assis tranquillement sur mon lit, incapable de m'endormir, quand soudain, quelqu'un cogna fort à ma porte. Michel ! Michel, tu es réveillé ? Si ce n'est pas le cas, dépêche-toi de te réveiller ! On a un gros problème ! Ben ça va, punaise ! Mais... Quand j'entendis la voix de mes frères pour la première fois après si longtemps, je crus d'abord à une hallucination. En 2 ans, ils n'étaient jamais venus me voir. J'avais beau tambouriner à la porte, hurler leur nom encore et encore. Et après tout ce temps, je ne m'attendais pas à ce que cela change un jour. J'avais renoncé, pensant qu'ils m'avaient rejeté depuis longtemps. Incapable de me résoudre à quoi que ce soit, je me contentais de fixer la porte. Quand il y eut d'autres coups, bam bam. Hello. Pas de soucis. Je reviens 30 secondes par contre, du coup, t'arrives au même moment, Magagoon, je reviens en 30 secondes encore, à tout de suite. Me revoici, excusez-moi. Et donc là, pour l'instant, il est toujours dans l'esprit, en fait, bon. T'as manqué un peu le côté glauque, parce qu'en fait, un monde qui est quand même extrêmement glauque, avec Aimée qui maltraite complètement Michel. Et c'est quand même assez violent, je te l'aide. Mais voilà. Le bruit fut recouvert à moitié par le tonnerre, ce qui donnait à la scène un air quelque peu inquiétant. Dis quelque chose, Michel, je t'en prie. Sérieusement, on n'a pas le temps. Tu peux nous entendre ici, n'est-ce pas? Tu es là derrière la porte, non? Allez, rien qu'un mot, Michel. Didier et Georges. Oh non, Didier et Georges, c'est vraiment vous? L'espace d'un instant, ils semblèrent pris au dépourvu. Probablement parce qu'ils avaient du mal à reconnaître ma voix. Mais ça ne durait qu'un battement de cœur. Puis Didier prit la parole.
Il y a une voiture qui t'attend à l'extérieur. Je vais dérouiller la porte pour que tu puisses la rejoindre. Pourquoi? Parce que... Parce que père est devenu fou. Parce que père est devenu fou. Il dit que la famille Bollinger n'a pas besoin d'un enfant démon. Que tu es une tâche honteuse pour notre nom. Alors il veut te faire exécuter. Georges! Père... veux ma mort? J'ai l'impression que le sol se déroule baie sous mes pieds. Exécuté en fond démon, tâche honteuse! Selon lui, je ne méritais même plus de vivre. C'est prévu pour demain matin. On vient juste de l'apprendre, c'est pourquoi? Vous m'avez préparé une voie de secours? Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? T'as réellement besoin de se demander? Parce qu'on est ta famille. Père va commettre quelque chose d'horrible. Je serrai les dents, refoulant mon amertume et ma colère. Mais je ne pus les retenir très longtemps. Un tourbillon d'émotions que je croyais avoir perdu durant mes 2 années d'emprisonnement revint à la surface et se déversa dans mes lèvres. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça maintenant? Si c'est vraiment ce que vous pensez, alors pourquoi vous n'êtes pas venu me voir plus tôt? Ça fait 2 ans que je suis enfermé dans cette chambre. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai pu ressentir pendant tout ce temps? Savez-vous seulement comment j'ai dû lutter pour survivre? Combien de fois je vous ai appelé à l'aide? Comme je tombe ruiné à la porte en supplant d'être libéré? Plus jamais, mais jamais, pas une seule fois vous êtes venu. Pas une seule fois, non. Michel! Je vous fais peur, c'est ça? Vous pensez vraiment que je suis devenu fou? Que j'ai perdu l'esprit? Que j'ai vendu mon âme au diable, c'est ça, hein? Non, Michel, je... on est... Et alors pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas venu me libérer? Michel, je... Non, nous... Ne pensons pas que tu as perdu l'esprit, c'est tout. Pas du tout. Alors que si vous ne vouliez pas me voir, vous ne vouliez pas vous confronter à ce que j'étais devenu. Dites-moi que j'ai tort, Didier et Georges. Vous m'avez laissé ici abandonné pendant 2 longues années. Enfermé pour ne pas avoir à me voir. Je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est juste que... Tu sais, je suis vraiment pris... très pris par mon art. J'ai reçu une telle de commande à la cour. Il y a un chevalier maintenant, tu sais. Mais alors cette expédition lui prend tout son temps. Je suis vraiment désolé. Non, vraiment désolé. Moi aussi. Je ne peux pas dire que tu es tort. Après, ce qui s'est passé, je ne sais pas tellement comment j'étais censé me comporter avec toi. Je n'en suis toujours pas très sûr d'ailleurs, encore maintenant. Je savais que je devais trouver le temps pour y réfléchir. Mais j'ai essayé de repousser ça à plus tard. Dans l'espoir vain que tu puisses, que le temps se chargerait de tout. Et pour cela, je te dois les excuses. Mais tu dois comprendre que je ne suis pas d'accord avec la décision de père. Je ne veux pas te perdre. Je ne pense pas que tu l'enfant du démon. Et Georges du même avis. Aucun de nous ne veut te voir mort. Je suis d'accord sur toute la ligne, Michel. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on te fasse sortir d'ici. Je mordis fort la lèvre inférieure. Assez fort pour en faire sortir du sang. C'était ça, ou me mettre à pleurer. Il est un peu tard pour ça. Michel! Si tu t'en vas pas... Si tu t'en vas pas, il va te tuer! Si je suis ni un ange venu du ciel, ni un enfant du démon, que suis-je alors? Que diable suis-je? Ce que tu es, tu es un Bollinger. Tu es notre famille. Il n'y a rien de plus à comprendre. Je prie pour que tu me pardonnes d'avoir tenu le regard aussi longtemps. Est-ce que je peux vous faire confiance? Est-ce que je peux avoir l'assurance, de même que le monde entier, même si le monde entier me dit que je suis maudit, que vous serez toujours à mes côtés? Que vous serez toujours mes frères? Est-ce que je peux vous faire confiance une fois de plus, Didier? Georges? Absolument, Michel. Je le jure devant Dieu Tout-Puissant. Et je le jure sur le Dieu de l'art.
Michel. Non. Oui. Michel. J'ai pas d'autre choix, n'est-ce pas? Je ne pourrais pas raisonner père, si. Je te conseille d'éviter. Il n'est pas homme à changer d'avis facilement. Si tu te montrais devant lui, il dégainerait probablement son épée pour t'achever lui-même. Mère en serait détruite. Je suis désolé, on ne fait pas seulement ça pour toi. D'accord, je partirai. Oh... Oh, Dieu merci. Non. Oh, Dieu merci. La voiture doit t'emmener jusqu'à un manoir, Michel. C'est une propriété que père a achetée il y a bien longtemps. Il y a quelques temps. Mais à cause des rumeurs qui circulent sur la maison, elle est abandonnée. Personne ne veut lui racheter et ça ne risque pas de changer. C'est l'endroit idéal pour garder caché. Quel genre de rumeur? Eh bien... Pas besoin de faire un tour d'un fromage. Il a le droit de savoir. On dit qu'une sorcière y vit. Une sorcière? Personnellement, je pense que c'est une tissue d'absurdité. Je suis allé voir l'endroit et il n'y avait personne. C'était un peu lugubre, c'est sûr. J'aurais aimé te proposer un meilleur endroit, mais on n'a pas eu suffisamment de temps. Je serai simplement t'opéré, Michel. Je ne peux pas te dire combien de temps ça te prendra. Mais père finira par mourir un jour. Et quand ce sera le cas, Jean-Ange héritera du domaine. Et cela signifiera que tu pourras rentrer. Alors je t'en prie, tiens bon jusque-là. Si je ne pars pas, je vais t'exécuter. Vous pouvez bien m'envoyer où vous voulez. Je ne vais pas me plaindre. Je suis content de l'entendre. Je parlerai à père et m'assurerai qu'il ne soupçonne rien. On va s'arranger, ne t'inquiète pas. En un mot commençant, papa veut simplement que tu disparaisses de la famille. Georges! Désolé. C'était pas pour être méchant. Mais en tous les cas, une fois que j'aurai repris le domaine, on serait tranquille. Je serai reconnu comme étant une Bollingale. Je vois. Très bien dans ce cas. Est-ce que je peux ouvrir la porte maintenant? Attends un instant. Et quoi, tu n'es toujours pas prêt? Non. Je ne porte aucun vêtement. Ah oui, c'est logique, hein. Tu es grand comment maintenant, Michel? J'ai à peu près la même taille que toi, je crois. Tu es plus grand que moi. Tu es plus grand que toi, mais moi? Bien mince alors. Bon, je vais t'apporter quelques-uns de mes vêtements. Merci. Waouh! Je crois que j'ai jamais vu... Non. Waouh! Je crois que j'ai jamais vu dire merci naturellement, Michel. Ce n'est pas vrai. Du moins, je ne crois pas. Ah ah! À tout de suite. Prenez tous les deux du nécessaire pendant ce temps. Très bien. Et on va s'arrêter là parce que je sais que on va dire c'est quand même long, mais là je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter parce que du coup là on est, on va dire, à la fuite vers le manoir qui est le manoir principal, l'histoire principale, là où se déroule l'histoire principale de l'aventure. Et donc je pense que là ce serait intéressant de s'arrêter là parce qu'on a fait quand même un live de 2h45 avec deux épisodes d'une heure 20 chacun à peu près, et je pense qu'on est bien pour ça. Donc je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est pas mal, franchement on a bien avancé. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va être dans la suite de cette porte 7, qui est assez violente malgré tout, mais qui reste quand même hyper intéressante dans l'aventure, et la manière dans l'histoire à raconter. Mais justement, on va voir ce qu'il en est dans un prochain live. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Je vous envoie évidemment quelque part pour terminer cette aventure, pour terminer ce live. Je vous envoie quelque part, alors il faut savoir où je peux vous envoyer. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux vous envoyer qui est assez sympathique? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a actuellement en live sur YouTube? Enfin, sur Twitch, excusez-moi. Sur Twitch, pas sur YouTube. Sur Twitch. Alors, il y a Mister Flesh qui est sur. Ah, bah tiens, bah, on va aller chez Daphné. Daphné, qui est de l'équipe Dream Team Trad. Et qui va commencer un live sur la démo de Ghost Trick. Donc on va lui faire un petit raid des familles. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour un nouveau live. Et on se retrouve bientôt. C'était Jeff, stay tuned for more. Et à la prochaine les gens.